Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder le cas où vous avez rencontré quelqu'un, tout se passe bien, mais son ex est un ou une perverse narcissique. Alors, ici il y a deux cas de figure. C'est soit vous n'avez pas vous-même connu la perversion narcissique, et il y a ceux qui en sont sortis, ou encore un ex à gérer avec pour une question à cause des enfants et qui retrouve un compagnon ou une compagne qui elle-même a un ou une perverse narcissique comme ex. Alors, ici, si vous n'avez pas connu la perversion narcissique, vous trouvez ça bizarre, les réactions de votre compagne ou de votre compagnon. Voilà ce fait que son ex est toujours là à créer des ennuis et qu'il ou elle se laisse marcher sur les pieds. On a l'impression qu'il ou elle ne réagit pas. Et quelqu'un qui n'a pas connu justement la perversion narcissique aura peut-être tendance à se dire: mais quoi, il ou elle est molle quoi? C'est quoi cette façon de se laisser marcher sur les pieds? Et quoi? Et enfin, est-ce que c'est vraiment fini entre eux là? Parce que wow, c'est un ex vraiment envahissant ou une ex vraiment envahissante. Là, elle cherche toujours des embrouilles. Et au final, eh ben, il ou elle fait quand même comme l'autre veut. Alors oui, c'est que si c'est votre cas de figure, c'est que votre nouveau compagnon ou compagne n'a pas encore appris à poser des limites avec son ex-PN. Et que l'ex-PN joue sur du chantage. Qui est donc les enfants. Ça va être généralement tous des attaques sur les enfants. Tu ne vas pas avoir les enfants. Et en plus, c'est renforcé parce qu'il a trouvé ou elle a trouvé quelqu'un d'autre. Vous. Et les attaques contre vous vont être directes ou indirectes. Ça va bien sûr être, eh bien oui, vous n'êtes pas assez bien. Hein? Ben non. N'êtes pas assez bien. Et franchement, le ou la PN a le droit, genre, de savoir avant de donner l'accord qui vous êtes. C'est quoi de votre CV? C'est qui? Vous sortez d'où? Qui a pris son jouet? Parce que c'est même pas sincèrement de se préoccuper des enfants. Non, les enfants sont juste une excuse, un prétexte. C'est vraiment dans la tête du ou de la PN, c'est qui ça? C'est qui m'a piqué mon jouet là? C'est qui prend ma place, même s'ils ne sont plus ensemble? Parce que dans la tête des pervers narcissiques, ça veut dire, aïe. Ça veut dire que je ne peux plus faire mon petit show parce qu'il y a quelqu'un à côté qui risque de lui dire qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, qui ne vont pas. Je ne vais plus avoir la priorité quand je vais envoyer un SMS pour changer les jours où j'ai les enfants. Ça m'ennuie parce que j'avais envie de lui refiler les enfants pendant 4 semaines, 5 semaines hors vacances scolaires. Mais s'il y a quelqu'un d'autre maintenant dans les pattes, mon jouet risque d'être sous une autre emprise que moi. Et ça, je n'aime pas. Je n'aime pas ne pas avoir l'attention. Je n'aime pas contrôler. Je ne peux plus contrôler. C'est ça qui les rend dingues. Donc, du coup, ils vont aussi passer par les enfants, de savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait avec eux. Ah bon? Et une espèce de surenchère. Ah, vous avez été au zoo? Ah, c'est bien. Eh bien, le ou la PN va emmener les enfants à Euro Disney. Eh ouais. Ah oui, parce qu'il faut surtout pas que les enfants vous trouvent sympa et que vous aiment. Ah non, ah non, 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 non. Ça, non. Faut pas pousser, quoi. Oh, c'est le ou la mère PN d'abord. Il faut pas lui enlever sa petite couronne de laurier, là. Non. Gardons, laissons César sur son trône, quoi. Et ça va toujours être ça. Donc les enfants vont être questionnés. Et ils seront incités, évidemment, à ne pas vous aimer, à vous détester, bien sûr. Donc c'est pas vraiment. Ce n'est pas vous, la personne que vous êtes, c'est ce que vous représentez qui va être attaqué par le ou la PN. Ça peut être aussi une attaque plus franche. C'est-à-dire quand il va déposer les enfants, ou elle vient déposer les enfants, vous regardez comme si vous étiez
Un gros caca. Genre, qu'est-ce que c'est? Vous êtes la bonne? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Voilà, les regards hautains, dédaigneux. Si on vous lance un regard, c'est déjà, ce sera grandiose, mais voilà, vous, de toute façon, vous serez peut-être transparent aussi. Ou vous pouvez avoir des pervers narcissiques qui jouent les faux sympas, les fausses copines. Hein? Non, je suis très sympa. C'est lui, c'est elle qui raconte n'importe quoi, je suis super sympa. Pour évidemment faire copine, sympathiser et vous pousser vers la sortie. Créer de la zizanie. Vous faire des petites confidences comme ça, puisque en même temps vous avez le même mec, donc on va faire des petites confidences. Donc voilà, vous voyez l'espèce de vraiment s'immiscer dans votre vie de couple. Ça peut être deux stratégies différentes qu'ils mettent en place. Hein. Alors, si par contre vous êtes dans le cas de figure où vous avez votre ex-PN à gérer et la personne a aussi un ex-PN à gérer, voilà, voyez-le plutôt dans le sens où, eh bien, si l'autre personne s'est aussi rendue compte du mode de fonctionnement, vous êtes à deux pour vous soutenir. Pour même rigoler entre vous. Ah tiens, on parie que. Allez, top là, on parie que. Ah tiens, SMS, allez, on parie que. On parie que. Mais voilà, par contre, si vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas encore compris le mode de fonctionnement des PN, à mettre des limites, là. Voilà, si vous avez appris, n'hésitez pas à briefer l'autre. Parce que c'est important de pouvoir mettre des limites. Parce que le ou la PN, ex, va essayer de bousiller votre relation. Donc, posez des limites fermement. D'accord? Pas dans l'émotionnel, vous savez que c'est ce qu'ils attendent. Que vous explosiez, que vous rentrez, que vous partagez votre émotionnel. Non, non. Montrez toujours que vous avez le contrôle de la situation et que vous êtes plus fort parce que vous êtes à deux. L'union fait la force, comme on dit. Donc, voilà, c'est énergivore des ex-PN. C'est, on a l'impression que c'est pas possible d'avoir la vie est un long fleuve tranquille avec eux et que chaque fois, ils seront là, autour de vous, tel un petit moustique énervant. Mais voilà, vous savez qu'il y aura des attaques en utilisant les enfants, que ça peut être des reproches que vos enfants ont fait aux enfants de la PN certaines choses, que vos enfants ont harcelé le petit ou la petite de la PN ou du PN. Enfin voilà, donc des limites fermes, protégez-vous. C'est une fois que vous avez appris leur mode de fonctionnement, une fois que vous savez qu'il faut pas de communication avec eux, même en tant que nouvelle épouse ou nouveau mari, compagnon. Pas de communication avec eux, mais de vraiment rester factuel comme des avocats. D'accord? C'est leur apprendre qu'il y a une distance dans votre nouveau foyer maintenant. C'est plus leur histoire. C'est à eux de tourner la page. Mais comme ce sont des pervers narcissiques, vous savez que c'est impossible. Mais de leur renvoyer juste le message de « Vas-y, vis ta vie, arrête de nous gonfler. On s'en fout de ce que tu racontes. Tu veux nous attaquer en justice? Eh ben, on ira en justice, mais alors là, après toi, à ce que j'ai tous les dossiers, tous les SMS de PN qui vont ressortir. » Donc voilà, n'oubliez pas, vous avez des droits et vous avez certainement beaucoup plus de preuves que vous ne le pensez. Mais ça se peut que l'émotionnel, parce que il ou elle n'arrête pas de vous embêter, d'embêter ce nouveau couple, vous fasse oublier ça. D'accord? Donc, restez dans cette idée que vous avez des preuves que le problème, que leur comportement est abusif. D'accord? Courage à vous, c'est pas facile de refaire sa vie avec un ex ou deux ex-PN. Mais voilà, accrochez-vous parce que vous avez le droit au bonheur. D'accord? Et que si ça se passe bien avec cette personne, voilà, soutenez-la ou soutenez-le dans le fait d'oser poser des limites, de lui rappeler que il ou elle, en tant que parent, a aussi des droits et doit les faire respecter. D'accord?
Courage à vous. À bientôt.